Pause the recording. Can you okay. Can you make it turn on your camera and then to make me a host back? Okay, so bummer, where do I do that? To turn on your camera? Okay. Right, my camera's on. Just hang on a second. Okay, sorry. There we are. There we are, okay. Can you make me the host back so I can stop the recording until... Okay. You float above my name, kind of. Oh, sorry, yes, thank you. There's more, and then... I'm the host. There we are. Am I the host now? Yeah. Yes. Aussi, c'est enregistré. Et on va mettre ça sur notre site web. Donc, si vous avez des amis qui voulaient écouter cette conférence plus tard, c'est toujours disponible sur notre site. Oh, ça sera. Donne-moi quelques semaines pour ça. Parce que je ne suis pas très, très vite avec tout ça. Bon, mais éventuellement, ça sera là pour les gens. Donc, Jane McAvock est chercheuse indépendante et en histoire d'art, traductrice et conférencière installée à Paris, spécialiste de l'art français du XVIIe siècle. Elle s'intéresse particulièrement aux peintres travaillant en Provence à cette époque. Jane a participé à nombreux ouvrages ayant récemment contribué des notices sur le dessin d'artistes provençaux au catalogue d'une exposition de dessin du Musée des Beaux-Arts d'Orléans à Port-Réal-des-Champs au printemps 2018. Et sur un portrait inédit de Nicolas Meignard pour la galerie Hubert Deschevin en 2019. Elle est chargée d'enseignement à l'École de Louvre et commissaire scientifique d'expo de Jean Daret et la peinture baroque en Provence. Ça, c'est le titre provisoire qui sera organisé par le musée Granet d'Aix-en-Provence en 2024. Je vais te poser des questions sur ça après. Bon. Je laisse Jane maintenant. Ok, bonjour et merci beaucoup Gwen. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de mes petits peintres. et donc je suis très contente de pouvoir le faire. Voilà. Ça va, tu essaies de share the screen? Yeah. vous pouvez parler avec moi. Oh, est-ce que je dois faire quelque chose? Je dois vous aider à share the screen, c'est ça? Oui, ou à l'activer pour les participants. C'est fait. Maintenant, essayez. Pardon? Oui. C'est très professionnel ici. Voilà. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, il me faut un instant pour bien mettre ça. Donc, merci beaucoup à Gwen. Comme j'ai dit, c'est toujours un plaisir de parler de mes petits peintres. Petits peintres qui ne sont pas si petits que ça. En fait, la peinture baroque au XVIIe siècle, c'est un thème très large. Donc, je me concentre en fait sur deux peintres. Donc, Jean Daret, que je connais de manière très, très bien depuis le siècle dernier. Et Nicolas Meignard, qui a travaillé à Avignon. Donc, en fait, il y a beaucoup de parallèles entre les deux artistes. Donc, c'est pour ça que je voulais axer la conférence aujourd'hui sur ces deux peintres. Je vais aussi surtout parler, en fait, de Aix et d'Avignon pour la même raison, parce qu'on peut s'en étonner, mais c'est un sujet très large, ce thème de la peinture baroque en Provence. Et je ne peux pas parler de tout, surtout en une demi-heure. Donc, en fait, comme Gwen l'a dit, j'étais résidente à la maison de Romar, donc au paradis, pendant le mois de mai 2018, pour la rédaction d'un livre sur Darès, le catalogue raisonné. Et puis, quelques mois plus tard, pendant l'été de la même année, j'ai eu un petit message de la part du musée Granet, comme quoi il pensait faire une exposition Darès, et si j'y étais intéressée. Donc, j'ai dit oui, bien sûr.
Et en fait, avec les histoires, les difficultés de restauration des œuvres, notamment des œuvres dans des églises, on a fixé la date de 2024 pour l'exposition. Donc, en fait, la publication de mon livre a été repoussée à cette date-là. Mais entre-temps, en fait, il y a eu des découvertes, il y en a tout le temps. Sur Dares, sur Mignard, il y a des œuvres qui apparaissent et on trouve des informations. Donc, pour donner un peu de contexte et pour parler un petit peu de nos sources et comment on travaille, en fait, pour Aix-en-Provence, on a beaucoup d'informations d'avant la Révolution. Donc, on a les archives qui sont très nombreuses pour Aix et pour Avignon. Et puis, le premier guide de touristes de la ville d'Aix-en-Provence date de 1679. Il décrit tout ce qui est intéressant dans la ville et encore mieux. L'auteur Pierre-Joseph d'Ache était un copain des fils de Jean d'Arrest, et donc chaque fois qu'il y a un tableau de d'Arrest dans une église, bah, il en parle. Donc c'est parfait pour moi. Puis au moment de la Révolution, en janvier 1790, un noble de la ville a fait le tour de toutes les églises de la ville pour noter ce qu'il y avait, parce qu'il savait que les églises allaient être fermées et qu'on allait perdre les informations et ses œuvres. Mais c'est très intéressant pour nous parce qu'on a donc des informations sur le 17e et sur la fin du 18e siècle. Et ce qui est frappant aussi, c'est le peu de choses qui ont bougé. On a moins d'informations sur Avignon, sur les villes plus petites, mais on a quand même quelques inventaires. En fait, des inventaires de la période révolutionnaire pour Avignon sont très complètes. Et puis, on a d'autres inventaires aussi d'autres villes. Et bien sûr, aussi les fonds des notaires et quelquefois aussi des archives privées. Donc, en fait, ça nous aide surtout pour les commandes publiques, les commandes pour les églises ou pour les églises officielles, donc ou les édifices officiels comme le Palais Comtal à Aix ou l'Hôtel de Ville à Aix, et puis les églises, comme j'ai dit. En revanche, on sait beaucoup moins de choses sur tout ce qui est peinture profane. Les portraits, les décors dans les hôtels particuliers sont rarement l'objet de commandes documentées. Souvent, c'était des contrats sous seing privé. Et parfois, on retrouve des quittances chez les notaires où on parle de la commande qui a été détruite au moment du paiement. Quelques collections ont été inventoriées, mais vraiment très peu. Donc là encore, on a très peu d'informations, malheureusement. Donc, pour revenir aux deux artistes dont je vais parler, je commence avec Jean Daret. Donc, voici son autoportrait qui se trouve à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il est né à Bruxelles en 1714. Et donc, il a peint ce tableau à l'âge de 21 ans. Il est assez fier, tout beau, tout jeune, bien habillé, avec sa palette, donc les outils de son travail. On voit sa palette, pardon, en bas à gauche, des feuilles de papier aussi, qui indiquent peut-être qu'il a dessiné pour des graveurs et il a aussi, plus tard, il a même donné des dessins architecturaux pour des retables sculptés et aussi pour une église. Donc, en fait, on voit qu'il était déjà un bon peintre et 1636, c'est l'année de son. Probable de son installation à Aix. Il était à Paris en 1634, puis il disparaît. Sans doute il était à Rome, mais on n'en est pas sûr. Et bon, vous êtes nombreux à savoir que beaucoup d'artistes voulaient aller à Rome au XVIIe siècle parce que c'est là où il y avait les grands chefs-d'œuvre de l'art contemporain pour eux, les œuvres des Caravages, il y avait les œuvres de la Renaissance, Léonard de Vinci un petit peu, mais surtout Michel-Ange et Raphaël. Et puis, bien sûr, il y avait les antiques. Il y avait tout ce qui était de la Rome antique qui était des sources très importantes pour eux. Donc, tout le monde rêvait d'y aller. Bon, Daret, il se marie en 1639 avec une bourgeoise aixoise et il reste à Aix jusqu'en 1659, à part un voyage de retour à Bruxelles en 1655, donc pendant l'été. Ça n'a pas duré très longtemps. Il part à Paris en 59 dans un contexte de problèmes financiers et à son retour à Aix en 1664, il vend sa maison et 4 ans plus tard, il meurt. Nicolas Mignard, il était né à Troyes en 1606, donc voici son autoportrait. Bon, il est un peu plus mûr sur ce portrait, il avait sans doute entre 50 et 40 et 50 ans et on voit avec un peu de difficulté la palette en bas. Bon, ici.
Il a beaucoup de vernis assez épais, mais le tableau est visible un peu plus près de chez nous, au Musée Calvé à Avignon. Lui, il est né donc à Troyes, et tout jeune, il est à Paris, et puis il va à Fontainebleau aussi pour visiter le château. Et en 1632, on le trouve à Avignon, on ne sait pas trop pourquoi. En 1635, il est allé à Rome, dans la suite de l'ambassadeur de France, Alphonse Duplessis de Richelieu, qui était évêque de Lyon aussi. Donc, c'était le frère du grand ministre de Richelieu, qui était le grand ministre de Louis XIII. Il revient à Avignon en 1637 et il épouse la fille d'un maître pommier. Et il reste jusqu'en 1660. Après le passage du roi et de Mazarin, donc en 1660, Mignard est appelé à Paris pour peindre des portraits du roi. Il va y rester pour décorer aussi un appartement aux Tuileries et pour faire d'autres portraits. Et malheureusement, il meurt à Paris alors qu'il souhaitait rentrer chez lui. Donc en 1668, la même année que Darène. Donc pour parler un petit peu du milieu artistique, les artistes, ils se connaissaient tous. Souvent, ils travaillaient ensemble pour les grandes commandes, comme les décors à l'occasion d'entrées officielles. Et souvent aussi, c'était des dynasties, les Paroissel, les Mimot, qui sont moins connus, ou les Valissé. Et c'était le cas aussi des Daret et Mignard, donc les fils de Jean Daret, Jean-Baptiste et Michel étaient peintres, et les deux fils de Nicolas Mignard, Pierre et Paul, étaient aussi peintres. Ils aussi ont travaillé pour les mêmes chantiers. Donc, Nicolas Mignard a fourni le tableau du maître-autel de l'église d'Oratoire à Aix, alors que Rudolf Ziegler a peint d'autres tableaux qui rentraient dans ce maître-autel. Donc, le tableau principal était de Mignard et quatre tableaux plus petits étaient de Ziegler. Puis Daret, il a reçu des commandes privées pour la même église. Donc, on retrouve les mêmes artistes, les mêmes noms un petit peu partout. Ils sont souvent étrangers, donc j'ai déjà dit pour Daret et Mignard. Ziegler était suisse. Et puis pour la génération précédente, Guillaume Grève, qui a beaucoup travaillé à Avignon, était allemand. Et puis on peut aussi parler de Louis Finson, qui était liégeois et qui a travaillé un petit peu à Aix et à Arles. Donc c'était une terre qui était ouverte aux autres, mais aussi des artistes italiens, souvent de passage pour Paris, se sont arrêtés. Et c'est le cas de Giovanni Francesco Romanelli, qui était sur la route pour Paris, quand il a donné des dessins pour le palais épiscopal de Carpentras, qui est aujourd'hui le palais de justice. Donc on voit que c'est une région où il y a beaucoup de voyageurs, beaucoup de gens qui passent et qui reçoivent en fait des influences un petit peu partout. Donc, grâce aux sources des archives, on connaît, comme j'ai dit, de nombreux commanditaires et de leurs familles. Donc, le plus souvent, c'était des membres de la noblesse. Beaucoup de familles avaient accédé à la noblesse depuis seulement une ou deux générations et ils voulaient s'imposer sur la scène locale et donner un petit peu plus de prestige à leur famille parce que pour les gens du 17e, être noble depuis deux générations, c'était un nouveau riche, surtout dans cette région provençale. Nicolas Mignard était soutenu par un certain Paul Forcia de Montréal, dès ses débuts à Avignon. Forcia de Montréal était né en 1586. Il était membre d'une famille d'origine catalane. C'est ce qu'on dit au moins, c'est peut-être une légende. Et la famille devient noble au 16e siècle. Forcia de Montréal meurt en 1661. Et c'était lui, en fait, qui était un ami d'Alphonse de Richelieu. Et donc, c'est grâce à ce contact que Mignard a pu aller à Rome. Il a peint une série de toiles sur l'histoire de Théa Genet Cariclet pour l'hôtel particulier de Forcia de Montréal à Avignon. Donc, malheureusement, l'hôtel est en très mauvais état. Donc, le voici ici. Et les tableaux ont été vendus au début du 19e siècle. Et la dernière nouvelle qu'on a eue, c'était qu'il se trouvait en Russie. Et donc, je vous montre en fait une gravure d'un des épisodes de cette série, une gravure qui a été colorée. Donc, je rêve un jour de retrouver trace de ces tableaux, mais il faudrait que j'apprenne à lire le russe. Donc, c'est peu probable dans un avenir immédiat. Et Forcia de Montréal était le parrain du deuxième fils de Mignard. Ces liens de parrain étaient très fréquents au XVIIe siècle.
C'est aussi peut-être grâce à Forcia de Montréal que Nicolas Mignard a eu la commande de 4 tableaux pour le maître-autel de l'ancienne cathédrale de Cavaillon, donc 1, 2, 3 et puis le 4e. Et voici donc le Saint-Pierre qui est la figure ici. Je dis ça parce qu'en fait, quand la commande a été passée, le fils de Paul Forcia de Montréal, Louis Forcia de Montréal, était évêque. Et on peut se poser aussi la question sur le grand tableau du maître-autel qui était peint par le petit frère de Nicolas, Pierre Mignard. On connaît assez bien aussi le mécène principal de Daret, donc Pierre Morel de Pontevès. C'était un vrai nouveau riche. Il est né à Aix en 1601 et il y meurt en 1672. C'était le fils d'un notaire et grâce un talent dans les affaires et aussi dans les beaux mariages. Il a réussi une ascension fulgurante. On a même faussé des papiers pour qu'il soit vraiment reconnu comme un noble dans les années 1660. Donc, sa dernière épouse était membre de la famille de Pontevès, qui est une ancienne importante famille de la Provence. Et donc, il a ajouté le nom de Pontevès à son nom et il a acheté le château de Pontevès, qui malheureusement aujourd'hui est en ruine. C'est un peu dommage parce que Daret a peint, il a décoré la galerie de ce château à la fin de sa vie avec son fils qui est allé sur place pour diriger s'occuper des travaux sur place. Morel de Pontevès aussi a fait construire un grand hôtel particulier dans le quartier Mazarin, le plus grand bien sûr, avec de très beaux atlantes à l'entrée. Et il a commandé des décors à Daret. Donc on sait que Daret a été payé pas mal d'argent pour faire des décors et des portraits pour cet hôtel particulier. Mais aujourd'hui, rien ne subsiste, malheureusement. En 1639, Morel de Pontevès et son frère, donc Pierre et Antoine, je dis Pierre, Saint-Pierre et Antoine, Saint-Antoine, ont acheté une chapelle dans l'église des Grands Augustins à Aix. Ils ont commandé ce très beau tableau, cette crucifixion avec la Vierge aux sept douleurs, à Daret. Donc, c'est le premier lien entre les deux en 1640. Le dessin est apparu sur le marché de l'art il n'y a pas longtemps. Et en fait, on voit que Daret, il a repris son dessin de manière très précise, à part certains détails réalistes. On voit ici, par exemple, il y a les tout petits trous. Et puis les mains sont dessinées entièrement, alors que sur le tableau, on voit des clous énormes, un peu pour souligner peut-être la douleur souffert par le Christ. C'est un aspect un peu réaliste qui évoque aussi les origines flamandes de l'artiste. Donc ce type de commande donc privée, pour une chapelle privée dans une église, est très fréquent à l'époque au XVIIe siècle, et c'était un peu la source principale de revenus pour les artistes. La chapelle aussi, ça a donné une présence dans le paysage urbain à une famille, et bien sûr c'était un lieu d'inhumation pour les membres de la famille. Donc là encore, dans cette volonté de créer une dynastie, de s'ancrer vraiment dans un paysage au XVIIe siècle. Au XVIIe, et en fait dans le sud de la France, il y a aussi la particularité des confréries. Donc, c'était des groupes de croyants de différentes qui s'unissaient et qui construisaient souvent de petites chapelles avec des décorations très riches. C'était aussi un petit peu un lieu de sociabilité pour les gens, ils se réunissaient régulièrement, etc. Donc, certains peintres ont été membres de confréries. Raynaud le Vieux, qui était membre d'une des confréries des pénitents noirs, et Daret était membre de l'association de la Sainte Famille. Donc ici, j'en parle très rapidement, c'est la chapelle des pénitents noirs de la Miséricorde, donc qui existe toujours, mais le décor a été beaucoup remanié, tout a été vidé à la Révolution, et on a remis quelques tableaux qui ont d'origine différente par la suite, au début du XIXe siècle. Donc, au fond, on voit la crucifixion de Nicolas Mignard. Et sur les deux côtés, on a deux tableaux de Raynaud le Vieux, donc qui ont retrouvé, je pense, leur emplacement d'origine, si je me souviens bien. Une autre chapelle des pénitents noirs, qu'on appelait les pénitents noirs florentins, a été décorée par Raynaud le Vieux.
Ils ont commandé en fait toute une série de tableaux sur la vie de Saint Jean-Baptiste. Donc en fait, il y a un récit dans le décor de la chapelle. Le vieux était originaire de Nîmes, d'une famille protestante, mais il a passé un peu de temps à Avignon en fait dans les années 1650 et 60 avant d'aller à Rome. En fait, il avait été à Rome dans sa jeunesse et il y est retourné et c'est là où il est mort. Saint Jean-Baptiste était le saint patron de Florence. Donc, les Florentins, on comprend pourquoi on choisit le sujet de la vie de Saint Jean-Baptiste. Et la commande a commencé en 1651. Et le vieux était occupé jusqu'à sa mort, en fait. Son dernier tableau date de 1694. Et lui, il meurt quelques années plus tard. Il était assez âgé. Le vieux est devenu membre de cette confrérie. Donc, je vous montre, en fait, la décollation de Saint Jean-Baptiste. Donc, il se fait trancher la tête en prison. Vous connaissez l'histoire. Le tableau se trouve au musée de Nîmes. Donc, il date des années 1656. Et puis, il y a quelques années, en 2016, on a découvert ce dessin préparatoire très précis pour la composition. Ici, on voit un ange qui vient annoncer à Zacharie la future naissance de son fils, donc Saint Jean-Baptiste. Donc, dans le récit, c'est une des premières compositions. Et ce tableau a été peint dans les années 1660, en 63, quand Raynaud le Vieux habitait à Aix. Il a passé quelques années à Aix avant de repartir à Rome. Et puis, je vais parler un petit peu de l'association de la Sainte Famille. Donc, la petite chapelle a été construite dans l'enceinte du couvent de l'Oratoire à Aix, donc dans la rue du Bon Pasteur. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Tout a été peint par Daré, à part le maître-autel. Mais au lieu de choisir un thème narratif ou un récit comme l'histoire de Saint Jean-Baptiste, on a décidé de commander 22 toiles représentant des saints qui sont dans la généalogie du Christ. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un peu particulier, mais ce sont des saints en fait qui bon, on peut parler ça une cousinade, voilà. Donc ici on voit la figure de Zacharie. Donc c'est le même thème que sur le tableau de Le Vieux que je viens de vous montrer, avec un petit jeu de perspective avec l'autel vu en biais et puis l'ange. Donc ces deux tableaux se trouvent à Varages, dans le Var. Malheureusement, comme j'ai dit, la chapelle a été détruite. En 1648, Daré a offert le tableau de Saint Jean à Patmos à l'association. Donc, il s'est fait payer pour tous les 21 des 22 tableaux parce que à ce moment-là, en fait, en 48, Daré est devenu membre de cette association. On a quelques autres tableaux. En fait, sur les 22, on en connaît 6, donc Sainte-Anne et Saint-Joseph, qui sont dans la chapelle du Collège Minier à Aix. Et puis, deux autres tableaux sont dans la chapelle Notre-Dame de la Consolation, qui se trouve à Aix aussi, que je ne vais pas vous montrer. Mais il y a deux autres tableaux. Donc, peut-être que ce sont les numéros 7 et 8. Et ce sont deux tableaux qui se trouvent à Saint-Canadé. Mais malheureusement, l'état actuel des tableaux ne me permettent pas vraiment de savoir si ce sont vraiment pour cette commande-là ou s'ils ont pu être pour une autre commande. Donc, dans la chapelle au plafond, il y avait aussi quelques tableaux qui étaient encastrés dans un lambris. Donc, le lambris a été dessiné par Daré. Et Romanelli, il en parle, selon De Hache, Romanelli a trouvé que le songe de Saint-Joseph était un tableau magnifique avec une très belle perspective. Mais malheureusement, les tableaux du plafond n'ont pas survécu. Il y avait aussi, bien sûr, d'autres commandes des églises. Donc, les ordres commandaient des œuvres en rapport avec leur saint patron. Et certains sujets aussi sont plus fréquents dans le sud, dans Provence, par rapport à d'autres régions de la France. Donc, le thème de la mort de Saint-Joseph, que,
que Gwen connaît très bien parce que je l'ai fait subir pas mal de conversations à ce sujet-là. Donc ici, le tableau de la mort de Saint-Joseph qui a été commandé par la confrérie de Saint-Joseph pour l'église de Lambesque où il se trouve encore. Donc il date de 1648. Donc là encore, en fait, c'est un sujet qui intéressait beaucoup parce que Joseph a eu la chance de mourir confortablement et tranquillement, un très vieil homme. Il s'était reposé 3 jours avant de son travail de charpentier et il meurt entouré de ses proches. Donc, c'est la mort dont tout le monde rêvait au XVIIe siècle et qui est très rare, bien sûr, quand on a l'habitude de voir les défunts martyrs, les décollations, les flagellations, etc. Donc, c'était un thème qui était particulièrement fréquent. Donc, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de la mort de Saint-Joseph de Gilles Garcin, qui date de la toute fin du XVIIe siècle. Donc, Garcin est un artiste un peu plus tardif, né en 1647 à Aix. Et ce tableau, en fait, a été peint pour l'église de Ménerbe. Et quand l'église sera ouverte, elle va y retourner. Donc, le tableau a été restauré ces derniers temps. Et c'est un des plus beaux tableaux de Garcin. Un autre thème lié à la mort qui a été beaucoup étudié par Michel Vauvel est celui des âmes du purgatoire qu'on voit ici en bas de cette composition. C'est un thème qui a connu donc beaucoup de succès ici mélangé avec celui de Don du Rosaire à Saint-Dominique. Donc, c'est un tableau qui a été commandé pour l'église des Dominicains à Aix, qui est aujourd'hui l'église de la Madeleine, et il appartient à cette église. Un autre tableau en rapport avec les thèmes des Dominicains qui sont très fréquents, et cette Vierge au rosaire, aux roses. Donc c'est une référence au rosaire. On voit aussi cette couronne de roses qui est donnée à la Vierge par ses angelots. La date de 1642 a été trouvée sur le tableau il y a quelques mois quand il a été restauré. Mais c'est un tableau aussi intéressant parce qu'il est très antiquisant, cette composition pyramidale avec la Vierge assise sur un trône. En fait, ça évoque aussi la peinture beaucoup plus ancienne des périodes médiévales. Donc, c'est intéressant qu'à la fois Daret peut faire des tableaux très baroques comme celui-ci, avec beaucoup de mouvements, avec la construction sur des diagonales, et puis une composition beaucoup plus statique et beaucoup plus archaïsante, mais avec des détails qui sont vraiment sublimes. Un autre saint, et je suis désolée, ce que vous voyez ici n'est pas un trou sur la toile, c'est un problème de photo. J'ai essayé de retravailler la photo et c'est complètement raté. Donc, c'est un tableau pour l'église des Grands Carmes à Avignon, peint en 1647, et c'est Saint-Simon de Stock, donc en rapport avec les Grands Carmes, l'ordre des Carmes. C'est un sujet traité plusieurs fois par Mignard, par Le Vieux, mais jamais par Daret, donc pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un artiste moins doué l'a transformé en Saint-Dominique, donc avec son attribut, le chien avec un flambeau. Donc, ce tableau se trouve à Montfavet. Et ça montre aussi comment les thèmes peuvent être réutilisés, recyclés, et aussi les thèmes des artistes importants des grandes villes étaient circulés dans les villes moins importantes aux alentours. Donc voilà pour le domaine public, où on a beaucoup de documents et on a pas mal d'informations, des contrats et puis parfois des descriptions. Le domaine privé est beaucoup plus compliqué à connaître. Le XVIIe siècle est une période de beaucoup de constructions à Aix, à Avignon et dans toutes les villes. En fait, il suffit de lever un peu la tête et puis on voit les beaux hôtels particuliers. On en trouve à Apt, on en trouve à Cavaillon, on en trouve dans toutes les villes et villages, à Lambesque, à Salon, etc. Et ces hôtels particuliers étaient décorés, des décors de gypserie, des peintures murales et aussi des tableaux de chevalet. Mais là encore, les commandes étaient très souvent sous seing privé, donc on n'a plus de traces. Parfois, on peut tomber sur des mentions dans les papiers privés, mais c'est très rare. Donc, en fait, on sait beaucoup moins de choses sur la peinture profane de l'époque. Et malheureusement, il semblerait aussi que cet aspect de l'art de la période a moins bien survécu.
Et puis au XVIIIe siècle, malheureusement, le goût était pour des intérieurs beaucoup moins ornementés, beaucoup moins riches. Et donc, on a pas mal badigeonné. Et donc, ça a entraîné des pertes. Donc, pour Avignon, j'avais déjà parlé de l'hôtel Forcia de Montréal, où Mignard avait travaillé sur le décor d'une galerie. Il faut mentionner aussi la galerie de l'hôtel de Tonduti. Donc, les Tonduti est une famille, en fait, qui était en rapport avec, avec Mignard assez tôt. Mignard a peint le portrait d'un des membres de la famille en 59. Mais après sa mort, son fils, Pierre de Mignard, a réutilisé des dessins que Nicolas Mignard avait créés pour les Tuileries. Donc, il a eu cette grande commande de l'appartement du roi aux Tuileries. Et ici, on voit le panneau sur fond d'or du jugement de Midas. Donc, c'est Midas qui juge entre Apollon et Pan. Et sur fond d'or, l'appartement était au rez-de-chaussée et les reflets d'or, vous pouvez imaginer avec les bougies, ça donnait de la lumière, ça éclaircissait un petit peu la pièce. Et ici, on a la reprise avec un paysage par Pierre de Mignard et on a en fait le dessin préparatoire pour la figure de Midas. Donc le tableau de Nicolas est à Lille, le tableau de Pierre II est au musée Calvet. Et le dessin se trouve à Los Angeles, au Beau Soleil, au Getty. Donc, j'ai déjà parlé des décors de Daret pour l'hôtel Morel de Pont-de-Vest. Donc, malheureusement, on ne sait vraiment pas grand-chose. On a quelques morceaux qui restent, mais vraiment pas grand-chose. Mais il a été célèbre comme peintre de décors à Aix, et c'est toujours le cas. Et c'est pour ce décor de l'hôtel de Château-Renard qui a beaucoup d'éléments allégoriques avec ses figures, puis le jeune garçon qui regarde à travers le rideau, qui est vraiment charmant, que je pense être un portrait de Jean-Baptiste, d'Arrain, donc son fils. Et puis cette scène de palace, qui est une huile sur toile, qui a été encastrée aussi dans le plafond. Les autres plafonds, en fait, sont des peintures sur enduit. C'était commandé par Jean-François Desmar, baron de Château-Renard, qui était membre de l'association de la Sainte Famille. Donc là encore, on peut voir ces liens de sociabilité qui se répètent, les noms qui se retrouvent et les fréquentations de l'artiste. Donc ce décor est célèbre aussi parce qu'en 1660, quand Louis XIV a séjourné à Aix, il a été logé dans cet hôtel. Et selon Pierre-Joseph Dache, il a demandé à ses gardes du corps de faire très attention de ne pas abîmer cet escalier. Parce qu'en fait, on peut toucher il aurait fait très attention. On peut se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de repas. Pendant longtemps, on disait que c'est pour ça que Louis XIV a appelé Daret à Paris en 1660. Mais on sait maintenant que ce n'est pas vrai. Daret pensait déjà aller à Paris l'année d'avant et je pense qu'il était déjà à Paris en fait à la fin du 1659. Un autre plafond, donc, qui est une huile sur toile qui était encastrée, et celui-ci avec les jolis poutis, avec ce petit élément de vase sur un balustre qui risque de tomber sur nos têtes, puis des jolies fleurs. Ce plafond a quitté son emplacement d'origine au XIXe siècle et aujourd'hui il se trouve chez un particulier dans la région parisienne. Mais à cause ou grâce à l'hôtel de Château-Renard, on avait tendance pendant longtemps à attribuer quasiment tous les décors à Aix. À Daret, même dans les hôtels particuliers qui ont été construits après sa mort. Ici, l'hôtel de Grimaldi Régus, qui est à côté de l'hôtel de Château-Renard, Rudolf Ziegler a reçu la commande, pour une fois on a un document, du décor d'une galerie. Donc encore, ce sont des huiles sur toile qui sont encastrées. Et on a encore ce petit détail aussi d'un vase, un pot de fleurs en fait, qui va tomber sur nos têtes. Et puis cette figure aussi de palace qui pourrait peut-être évoquer le décor de l'hôtel de Château-Renard qui est contemporain, ça date de 1654.
Cette galerie aussi a été remodelée plus tard et un autre artiste a ajouté des peintures pour lesquelles aussi on a des éléments. Un autre décor de Ziegler qui a été attribué à Daret est celui de l'hôtel de l'Estamparade qui se trouve dans un autre quartier d'Aix, le quartier dans la rue de l'Opéra. Et on voit qu'il reprend la composition de Guido Reni de La Fortuna. Et pour les éléments ornementaux, il a repris aussi des gravures de l'apôtre. Donc, ce sont des sources romaines et parisiennes qui se mêlent dans ce décor aixois. Donc, c'est un petit peu ce qu'on trouve assez fréquemment dans la région. Et un autre décor qu'on peut lui attribuer, c'est le décor de la chambre de parade de l'hôtel des Covets à Marignane, autrement dit, la salle des mariages de la mairie de Marignane. Voilà. Cette scène de bataille de Daret, qui est un très beau tableau, doit venir aussi sans doute un décor, peut-être d'une galerie ou une série de toiles, encastrées peut-être dans une boiserie. On voit ici sur la toile, en fait, qu'une partie de la toile était recouverte, mais malheureusement, on ne sait rien. Il n'est même pas possible vraiment de situer ou d'identifier quel type de bataille ça a pu être, à part une bataille antique. Des tableaux de chevalet aussi ont été collectionnés par des locaux. Donc ici, Vertum et Pomone, appelés pendant un moment la Belle du Canet, parce qu'on a voulu y voir les traits de Lucrèce de Forbin Solers, qui était la maîtresse à un moment du duc de Mercœur, gouverneur de Provence. Donc là, on est vraiment dans les niveaux les plus prestigieux de la société. Mais cette liaison a commencé dans les années 1650, alors que ce très beau tableau date de 43. Il est signé et daté. Et donc, on voit cette belle figure de Pomone, qui est une nymphe qui avait rejeté les avances de tous les prétendants. Et puis, Vertum, qui était une divinité des saisons, qui pouvait se changer comme il voulait. Donc, il s'est déguisé en vieille femme. Il a raconté des choses magnifiques sur lui-même. Et il a réussi à convaincre la petite Pomone d'accepter ses avances, voilà, avec un très joli jardin et puis ce très beau jeu de nature morte aussi au premier plan. Un autre tableau rare tiré des métamorphoses d'Ovide, comme le Vertum et Pomone, et cet Esculape et Hippolyte, qui date du début de la carrière de Daret, donc de 1636, et on voit un intérêt pour les raccourcis avec cette figure au premier plan. Donc, malheureusement, là encore, on ne sait rien du tout sur l'origine du tableau. Celui-ci, il a été découvert dans les années 80 et on ne sait rien sur sa provenance précédente. Un autre tableau de ce type, c'est l'enlèvement de Proserpine, qui a été offert au Louvre sous réserve d'usufruit, qui date de 1651. Et lui, il reprend aussi des sculptures antiques avec certaines figures. Et on voit encore un intérêt pour une perspective. C'est un petit peu comme si ces artistes voulaient approfondir les lieux où les tableaux allaient être accrochés, peut-être parce que les appartements étaient un petit peu en retrait. Donc, je vais terminer en parlant des portraits. On ne peut pas ne pas parler du portrait. Donc, un petit peu comme les chapelles, le portrait était le moyen de donner du prestige à la famille, parfois de créer des généalogies prestigieuses en commandant des portraits posthumes de membres de la famille. Donc, on en trouvait beaucoup, mais malheureusement, quand on perd l'identité d'un modèle, un portrait perd son intérêt. Même dans une famille, si on ne sait plus qui est l'ancêtre et qui est représenté, bon, il perd un peu de son intérêt. Mais bien sûr, pour nous, ce sont des documents intéressants, ils sont très intéressants. Donc ici, un portrait de 1638 de Daret, d'un magistrat. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'identifier. Il est un peu raide, malheureusement, mais on voit que c'est un très joli jeu des différentes noires, des tissus, etc. Il se trouve aujourd'hui, en fait, au musée des Beaux-Arts de Marseille, où il est arrivé, en fait, au moment de la Révolution. Nicolas Mignard, il était connu pour ses portraits. C'est pour ça qu'il a été appelé à Paris. Il s'était déjà fait une réputation. Et ce magnifique portrait de Scipion Durour, donc un membre d'une famille assez importante de la Camargue, a été vendu il y a quelques années pour un prix faramineux. On voit ce beau jeune homme qui a une trentaine d'années,
le tableau avec ses parents, c'est 1758. La même formule avec le fond neutre, et tout l'accent est mis sur la psychologie de la figure, et puis sur le costume qui donne un petit peu de vie au portrait. Et puis, cet autre portrait de Gabriel Test, qui était un juriste avignonnais, qui fait un peu peur, bon, ça va avec le métier de juriste, et qui reprend aussi ce même formule. Donc, les portraits, malheureusement, c'est un domaine un peu mystérieux. On n'a pas de commandes et souvent, on n'a pas beaucoup d'identification. On a quelques gravures qui nous aident pour en savoir un peu plus, mais c'est un domaine, en fait, qui reste très mystérieux pour la peinture provençale. Et donc, bien sûr, je ne peux pas… je vais parler très rapidement de ce groupe de tableaux, de portraits qui font partie d'un groupe de cinq qui auraient été de l'hôtel Morel de Pontevès. Malheureusement, on ne sait pas où ils se trouvent aujourd'hui. Ils se trouvaient dans la famille encore jusqu'au début du XXe siècle. Ils ont été exposés. Et puis, deux des portraits ont été vendus en 1995, mais malheureusement, je n'ai pas pu les retrouver. Et puis, bien sûr, je termine avec, avec ce très beau portrait qui a été vendu la semaine dernière en vente aux enchères à Paris et qui a été préempté par le Musée de la chasse et de la nature. Donc, en fait, c'est un portrait complètement exceptionnel dans l'œuvre de Daret. Il est signé et daté de 1661, donc à Paris. Il précise qu'il est à Paris quand il le peint. Le seul autre tableau de cette période parisienne de Daret est celui-ci, qui a été peint pour l'église de Saint-Paul-de-Vence, commandé à Paris, et peint à Paris et renvoyé à Saint-Paul-de-Vence en 1661. Donc, on voit en fait qu'il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, ce portrait qui a été peint par Daret, les animaux sont l'œuvre d'un spécialiste des animaux, Nicasius Bernaerts. Et c'est intéressant pour beaucoup de raisons. Donc, d'abord, la qualité de l'œuvre, la présence du paysage, qui est assez typique des paysages de Daret au fond de, d'autres tableaux. Aussi parce que ça montre que Daret fréquentait le milieu flamand quand il était à Paris en 1661, dans les années 1660. Donc, c'est intéressant de voir ces fréquentations, et c'est un peu la seule chose qu'on a pu trouver pour l'instant. Et puis, c'est un type de portrait qui est très rare pour l'époque. En fait, c'est unique pour le milieu du XVIIe siècle en France. Donc, c'est un tableau qui est une grande découverte, mais qui suscite beaucoup de questions, et espérons qu'on en trouvera, on en trouvera des réponses bientôt, notamment dans l'identification du modèle. On ne sait pas trop qui il est pour l'instant. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant sur la peinture baroque du XVIIe. Merci, Jane. Bon, est-ce que s'il y a des questions, si les gens ont des questions, vous pouvez taper sur le chat. Moi, j'ai une question juste parce que j'ai pensé ça tout au début. La première image, le portrait que Daret a fait très jeune, il a son masque sur cette sculpture de... Oui. C'est quoi l'iconographie de ça? En fait, c'est une sculpture qui reprend une antique, donc c'est peut-être un plâtre. Donc, on se demande si c'est une sculpture qui montre sa connaissance de l'Antiquité, donc montre qu'il est cultivé, qu'il sait beaucoup de choses, qu'il a été à Rome, ou est-ce que c'est pour montrer qu'il a fait de la sculpture, mais à notre connaissance, il n'en a pas fait. Donc, c'est peut-être pour montrer cette connaissance de l'Antiquité. Voilà, il se vante un petit peu. Et c'est peut-être aussi pour trouver de la clientèle, pour faire un peu de publicité. Oui, ça a du sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Hôtel d'Agar de Cavaillon, est-ce des tableaux de Jean Daret? Non, il n'y en a pas. Peut-être un jour, mais pas encore. Oui. Je voulais savoir aussi pour le saint, le 21 saint, il restait que les qui sont en très mauvais état. Est-ce que il peut être rénové ou pas? Sinon, ils sont aussi mauvais. Oui, et d'ailleurs, je pense que la DRAC va essayer de les faire restaurer. La mairie avait un projet, en fait, de le faire, et la ville a restauré l'église. Mais oui, c'est important, en fait, de le faire parce que ces tableaux appartiennent, en fait, au lieu. Ils appartiennent aux villes et villages. Ça fait partie de l'histoire du lieu.
Donc, une restauration de ce type-là, on n'essaierait peut-être pas de reprendre et de recréer complètement la composition, mais au moins, il faut stabiliser l'état du tableau, parce que quand c'est en très mauvais état, ça va se dégrader encore plus. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un problème très fréquent. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y a une question. Donc, les tableaux, normalement, vont être restaurés pour l'exposition. C'est justement pour ça qu'on a voulu faire l'exposition assez tardivement, donc en 2024, parce qu'il faut un certain temps pour les aspects administratifs, pour les financements. L'État peut aider à dépanner un petit peu, donc ça prend pas mal de temps. Oui, voilà. Oui. Est-ce que il y a les gens qui sont spécialisés pour restaurer d'arrêt, par exemple? Oui, en fait, Monique Pommet, qui est malheureusement proche de la retraite, en a restauré plusieurs, dont la Seine qui est à Saint-Sauveur à Aix. Elle a travaillé aussi à l'hôtel de Château-Renard dans les années 80 et elle a restauré aussi un ou deux autres tableaux. Mais des spécialistes, pas tant que ça, non. Parce que j'imagine que c'était un boulot, un travail très particulier. Et... Oui, oui. Oh, oui, on me demande mon tableau préféré. Oh, j'en ai pas. Ils sont tous mes préférés. Ça dépend du jour et de l'heure. Mais je suis très attachée à la crucifixion qui est à Saint-Sauveur. C'est un tableau qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, donc là, pas par Monique Pommet, si je me souviens bien. Et en fait, c'est une grande redécouverte pour moi quand je l'ai vu restauré. Voilà. Malheureusement, il est très en hauteur, donc on ne le voit pas très bien où il est. Donc, j'espère l'avoir pour l'exposition. C'est quel tableau qui est le premier tableau pour, parce que vous êtes très intéressé par Daré. Et pourquoi vous êtes devenu aussi intéressé par lui? Est-ce qu'il y avait un tableau? Non, en fait, c'est parce que quand j'étais en licence d'histoire de l'art, je suis allée voir mon professeur pour lui dire que je voulais travailler sur un artiste pour ma maîtrise. Et... J'étais pas la plus grande élève, donc il n'allait pas, ou la meilleure élève, donc il n'allait pas me donner un très grand artiste. Il m'a donné trois noms d'artistes. Il m'a dit, bon, passez l'été, regardez un petit peu ce qui vous plaît parmi les trois artistes. Donc, pour les historiens de l'art qui nous écoutent, ce sont Louis Chéron. Je voulais travailler sur les dessins au début. Louis Chéron, Louis de Boulogne l'aîné et Jean Daret. Et en fait, j'ai trouvé que les dessins de Daret étaient les plus beaux, les plus charmants. Donc, j'ai dit au professeur que je voulais travailler sur Daret. Et puis, il m'a dit quelques semaines plus tard que ça allait être un sujet difficile. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout était dans le sud de la France. Et j'ai commencé à faire des voyages assez réguliers. Et petit à petit, j'ai trouvé ça que c'était un sujet en fait très intéressant, qui était un peu négligé. Alors que mon professeur, lui, c'est lui qui a travaillé sur Nicolas Mignard, c'était Antoine Schnapper. Voilà, donc c'était le grand spécialiste de Mignard. L'exposition sera au musée Calvé, à Calvé, non, excusez-moi, au musée Granier à Aix, voilà. En 2024. Et on va annoncer ça avec nos newsletters, c'est sûr. Oui. On va vous tenir au courant. Oui. Et j'espère aussi qu'il y aura un circuit dans la ville où on pourra voir des darets qui ne seront pas dans l'exposition, mais qui sont dans les églises de la ville et peut-être même plus loin. Mmh. Voilà. Ça serait bien de pouvoir aussi voir les œuvres. Voilà. Et on a une question aussi sur le grand tableau de Mignard qui est à Beaulieu. Et oui, je le connais. Je suis allée le voir en 2012 quand j'étais à la maison de Ramard. C'est un très beau tableau et il avait besoin, oui, d'une restauration. Donc, c'est une très bonne nouvelle de voir qu'il va être restauré. Voilà. Voilà. Bon, c'est super, Jane. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'était très informative et très... j'ai appris plein de choses. Ben, merci. Merci beaucoup. Donc, je merci vous et je remercie tous les gens qui ont assisté en conférence. Il y avait... Quand est la prochaine conférence? Je ne sais pas quand vous avez... Tu as une autre conférence? Tu as une autre? Non. Nous, on a une autre... Pour l'instant, non. Nous, à Doramar, le prochain, c'est le 5 mars et c'est une, ça sera en anglais. C'est une femme qui interroge les écrivains jamaïcains. Elle s'appelle Jacqueline Bishop.
Ah, très bien. C'est intéressant. Donc, il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a? Oh, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Susan. Susan, it Thank you, Suzanne. was great So good to see you here. to see you. Oui. Bon, donc, je vous remercie tous. Merci, Jane. Voilà. OK. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.